Tu veux quoi encore acheter, Véro? Vous êtes ce soir présenté dans le cadre du Festival de la chanson française. Qu'est-ce que ça fait pour vous d'être invité à ce festival ? Ah ben c'est génial, tout simplement. La sélection a été très très dure. Ben oui, il faut croire que j'ai eu beaucoup de chance en fait. C'est de la chance. Écoutez, je ne sais pas. Toujours est-il qu'on est là et c'est génial, on est ravis. C'est un petit peu inespéré parce que c'est vrai que le groupe s'est formé il n'y a pas tellement longtemps. Au départ, c'était un projet personnel. Et donc, j'avais sorti un premier album autoproduit donc, qui s'appelle Tic Tac Mania, sur lequel j'ai travaillé avec Jean-Paul Bondifala, qui est un guitariste. Et puis, j'ai un petit peu, on va dire, galéré à trouver mon groupe. Et heureusement, je l'ai trouvé quelques temps avant le festival, ce qui m'a permis d'être sélectionnée aussi pour être là ce soir. Pourquoi Initial CC ? Alors, Initial CC, justement parce que finalement, la première chanson que j'ai réussi à écrire, et elle est venue d'un coup. Je l'ai vraiment écrite en 5-10 minutes, le temps de l'écrire en fait. C'est après avoir écouté les chansons de Gainsbourg. Et donc c'était une analogie à la chanson de Gainsbourg justement. Exactement, voilà, c'est Initial Bébé. Ouais, voilà, c'est exactement ça. Et puis Céline, voilà, c'est pas très loin de mon prénom, donc ça me parlait bien. Et puis j'aime bien aussi le fait que finalement on sache pas trop ce qui se cache derrière Initial CC. Est-ce que c'est un groupe, est-ce que c'est une personne, est-ce que c'est une femme, un homme, on sait pas. Vous aimez bien ce côté un peu mystérieux qui se dévoile pas forcément complètement. Oui, j'aime bien parce que je trouve que dans l'art, ce qui est intéressant aussi, c'est ce que les gens peuvent projeter. Donc moi, ça m'éclate toujours quand j'entends quelqu'un qui va interpréter une de mes chansons dans un sens auquel j'avais pas du tout pensé. Et je trouve ça génial. Je me dis, ah oui, tiens, c'est marrant, j'ai pas pensé à ça. Ce soir, vous jouez dans un lieu qui est pas du tout anonyme pour vous. Non, effectivement. C'est fort en symbolique. Oui, c'est très fort en symbolique parce que, effectivement, le restaurant Les Deux Frères déjà est tenu par deux amis. Par ailleurs, je travaille pour ces deux amis. Je travaille pour leur communication et en fait, c'est vrai que ça a été un petit peu le hasard, très sincèrement. C'est-à-dire que quand j'ai démarché Patricia Pélissier, je m'y suis prise un petit peu tardivement. Donc, toutes les scènes étaient prises. Et je pense que Patricia avait aussi dans l'idée de trouver des nouveaux lieux pour le festival. Donc, on a pensé ensemble aux Deux Frères. Et je crois que c'était finalement une très bonne idée. Voilà, ça sera un dîner spectacle. Pour nous, c'est aussi un challenge parce que c'est vrai que ça change un petit peu de chanter devant des gens qui dînent. Il faut arriver à capter l'attention, mais c'est aussi un grand plaisir. Et puis, je pense que justement, il y aura un rapport un peu différent, j'espère. Vous avez fait votre album en 2007. Oui. Donc 2005-2006, il s'est passé quelque chose qui a dit à un moment, il faut que je me mette à écrire et à chanter. Comment c'est venu ?
Alors, c'est venu parce que, effectivement, presque du jour au lendemain, quand j'ai eu 30 ans, je me suis dit, bon, allez, maintenant, il faut assumer le fait que tu adores chanter, que peut-être tu vas en faire ton métier. Parce que jusqu'alors, en fait, je ne l'assumais pas. J'avais une autre vie dans la communication. C'était passionnant, très prenant, mais du coup, ça ne laissait pas beaucoup de place pour le chant. Donc, à partir du moment où j'ai mis un pied dans le chant, c'est-à-dire j'ai intégré un groupe amateur de musiciens, là, j'ai vraiment réalisé à quel point j'avais du temps à rattraper. Et donc, assez rapidement, ça m'est apparu une évidence d'écrire mes textes, en fait, parce que les quelques textes qu'on m'avait proposés, en fait, ne me parlaient pas. Enfin, je me voyais pas. Vous aviez envie d'écrire, vous. Oui. Alors, ces textes, ils nous parlent de quoi ? Alors, il parle, je dirais, il parle des petites choses de la vie, des choses qui peuvent nous toucher. Alors, c'est vrai que j'emploie beaucoup le jeu. Les gens pensent que c'est beaucoup ma vie. Pas forcément. C'est pas toujours mes histoires. Mais c'est vrai que, voilà, j'ai une écriture aussi assez spontanée. Donc, quand j'ai une émotion, quelque chose que je vais lire ou que je vais entendre, ou quelquefois, ça peut être des mots prononcés par des amis ou des gens que je connais. Alors, ils le savent pas toujours, d'ailleurs. Ça peut déclencher effectivement l'envie d'écrire. Voilà, c'est toute une réflexion sur la vie d'aujourd'hui, je crois, qui n'est pas toujours évidente non plus, hein, dans cette société de consommation où il faut aller vite, où il faut être performant. Tout ça, ça me questionne beaucoup. Alors, vous avez un père artistique ? Oui, tout à fait. Oui, effectivement. Gainsbourg. Gainsbourg, ouais, donc ouais. Un personnage important dans votre... dans votre évolution, parce que oui. Vous avez beaucoup chanté Gainsbourg. Oui, oui, oui. Et aujourd'hui, Gainsbourg, quel impact il a sur vous ? J'adore sa voix, je trouve qu'il était d'une modernité rare. Puis je trouve que c'est un artiste complet, c'est-à-dire qu'il avait une très belle plume, il maniait les mots comme personne, en même temps il faisait sonner les mots. Moi, je suis très sensible à ça. Les anglo-saxons savent très, très bien le faire. C'est-à-dire prendre des sonorités qui sont chantantes déjà et qui, naturellement, donnent une musique, en fait, au texte. C'est un moment fort, la scène, pour vous ? Ah bah oui, moi j'adore ça. J'adore ça, c'est un moment unique. C'est-à-dire qu'il y a à la fois ce qu'on partage avec les musiciens et puis il y a aussi ce qu'on peut partager avec le public. Et donc ça, c'est quand même formidable quand on est chanteur. Je crois que quand même, on fait beaucoup ce métier pour ça. Tu t'attardes un peu dans le noir de mes yeux. Tu peux y voir combien ton avis compte peu. Car je suis belle, je suis belle, c'est un fait. Si tu veux là, je suis belle, tout comme ça. Je suis blanche, je n'ai pas le ballon. Même mon corps est bien droit. Alors, dans les thèmes, vous travaillez beaucoup autour des rapports hommes-femmes. À quel titre ça vous paraît aujourd'hui, ça vous interpelle ? Mais parce que c'est jamais évident, je crois. Déjà, les rapports humains, c'est jamais évident. Et finalement, plus on avance dans la vie, plus on se dit « Ah ben là, c'est bon, j'ai compris. » Et en fait, non, on n'a jamais rien compris. Parce que chaque personne est différente et chaque histoire est différente. Et heureusement, je dirais, parce que c'est aussi le sel de la vie. C'est ce qui fait que la vie, c'est aussi passionnant. Hein. Heureusement, on n'a pas fait le tour des choses. La fuite du temps aussi, c'est un de vos thèmes que vous aimez bien. C'est une peur ? C'est quelque chose que vous vivez comme difficile, la fuite du temps, ou alors comme quelque chose d'apaisant, justement Non, je ne le vis pas particulièrement sereinement. Ouais. Non. Alors, pour la petite histoire, en fait, je ne devrais pas le dire, mais bon, ce n'est pas très glorieux. En fait, le nom de l'album, Tic-Tac Mania, Tic-Tac Mania, ouais. C'est pas neutre comme nom. Non, pas du tout. A trouvé ses origines, je dirais, de deux manières. La première, c'est qu'effectivement, j'avais tout ce retard à rattraper, puisque en fait, le chant a toujours été là. C'est un rêve de petite fille, en fait. Au fond, j'ai toujours su, j'ai toujours voulu faire ça. Un jour, je me suis dit, bon, ok, c'est un rêve, et tu peux continuer à rêver toute ta vie, et voilà, il se passera jamais rien. Et à un moment, ça a été décidé, j'y vais. Oui, voilà. Et il y a quelque chose qui a provoqué le déclic ? Le temps. Le tic-tac du temps. Voilà, le temps qui passe, en fait. Je me suis dit, bon, ben là, voilà, bientôt 30 ans, il est grand temps de se regarder en face et de dire haut et fort voilà, que c'est ça que tu veux faire. Il y a un moment où, dans une de vos chansons que vous allez présenter, vous dites « la terre, je la vois d'en haut ». Oui. C'est très joli comme expression. Oui, bah, c'est-à-dire que quelquefois, le monde est cruel. Le monde, les rapports humains sont cruels. Et quand on a une certaine sensibilité, c'est très difficile
d'affronter ça, je trouve. Donc, on a plusieurs possibilités qui s'offrent à nous. Hein. C'est effectivement de souffrir, de porter sa peine, ou alors de prendre un petit peu de la hauteur et de regarder ça, voilà, d'un petit peu en prenant de la hauteur et de se dire bon, ben, finalement, c'est pas si grave. D'essayer de relativiser les situations qui peuvent être quelquefois dramatiques aussi. Voilà. Votre couleur préférée ? Ah, couleur préférée, j'hésite entre le jaune et le rouge. Et pourquoi ? Le jaune parce que c'est solaire. Ouais. Vous êtes une solaire ? Comment ? Vous êtes une solaire ? Ben, en tout cas, je suis une grande optimiste, je crois. Mmh. C'est mon moteur parce que, encore une fois... On peut toujours lire la vie de deux manières. Hein, et je pense que dans toute situation, il faut toujours s'attacher à voir le positif. Et c'est comme ça que ça avance et que c'est comme ça que ça peut marcher. Donc c'est vrai que le soleil, pour moi, ça représente bien, effectivement... Et le rouge ? La vie. Et... Le rouge, c'est la passion. Voilà. Alors, aujourd'hui, pour vous, est-ce que la chanson française, ça a du sens ? Oui, bien sûr, ça a du sens. Il y a beaucoup de nouveaux arrivants en plus. Donc, c'est vrai que je pense à des filles comme Camille, par exemple. Je connais pas à fond ce que fait Camille, mais en tout cas, je suis quand même très sensible et je trouve ça très original, très recherché. J'adore les Rita Mitsouko aussi. Je suis une fan absolue. Voilà. Et puis bon, après, il y a plein d'autres noms, bien entendu, hein, les Bachung, etc. Si vous pouvez me citer le mot que vous détestez le plus et le mot que vous adorez le plus, que vous aimez le plus. Alors, le mot que je déteste le plus, je pense que c'est résigné. Ça pousse sa femme. Et le mot que j'aime le plus, ben, il s'impose un peu, c'est espoir.